bonjour à tous. Et surtout, merci à tous, comme cela a été déjà dit, c'est pas évident de se réunir un samedi, pour faire des choses. C'est encore plus difficile, parce que normalement, on continue la grâce matinée. Je n'ai pas sorti la synagogue. Mais je vais encore dire merci à tous d'être venus. Et surtout, poser la question, pourquoi aujourd'hui cette rencontre? Donc le président vous a très bien résumé un peu l'état d'esprit dans lequel on se trouve aujourd'hui. C'est qu'il y a beaucoup d'Africains qui ressentent les agressions quotidiennes qu'on subit, qui essaient de changer les choses, mais arrivé à un moment, ils se demandent, mais concrètement, que faire? Parce qu'on parle sur des forums, on va au pays, on essaie un peu d'expliquer sur place comment ça se passe, quels sont les mécanismes. On se fâche, on s'énerve, mais la situation est toujours là, l'ennemi en face, il est toujours puissant, et nous, en face, on n'a rien. Si on est réunis aujourd'hui, je pense qu'on va essayer d'être d'accord sur quelques points sur lesquels on est tous contre. Est-ce que vous arrivez à voir en apprenant avec la lumière, n'est-ce pas, vous arrivez à voir comme il fallait? Ça va? Oui, ça va. Donc, je pense qu'on est tous contre ce genre de choses. Là, c'est une carte de l'Afrique avec l'intitulé la course pour l'Afrique, en fait. C'est-à-dire que 1880-1914, c'est l'époque où les colons européens ont commencé à se ruer vers l'Afrique pour la découper. Donc, ce découpage-là a été officialisé à la conférence de Berne, où on a découpé l'Afrique hein, comme les parts d'un gâteau. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des noms aujourd'hui comme Côte d'Ivoire, Cameroun, qui vient de Couvette, je crois, en portugais. Voilà, donc c'est pas bien glorieux, mais bon, on est quand même encore fiers un peu de cette nationalité. Mais surtout, je pense qu'on est tous contre la faiblesse politique dans laquelle on se trouve aujourd'hui. C'est-à-dire que voir en direct les images d'une première dame à qui on tire les cheveux et qu'on exhibe comme un trophée de chasse, comme un éléphant qu'on rapporte d'un safari, je pense qu'on est tous contre. Petite pause, parce que moi c'est intéressant que ça soit interactif. Cette photo, je tiens un blog personnel, j'ai refusé de la mettre en ligne, mais il y a des frères africains qui étaient contents de la diffuser partout sur Internet, ce genre de photo. On est humilié, mais on est content de diffuser ça et on en rigole. C'est l'aliénation. Donc, un autre point sur lequel je pense qu'on est tous contre, c'est notre faiblesse économique aujourd'hui. C'est quand même grave qu'on dise que l'Afrique est riche, riche de ses terres, riche de ses cultures, riche de ses ressources naturelles, riche de ses hommes et de ses femmes, et qu'aujourd'hui, on est des milliers d'Africains qui feront tout pour passer la barrière, que ce soit à la nage, que ce soit même par sorcellerie, ils vont essayer d'arriver ici. C'est grave. Comment ça se fait qu'un continent aussi riche soit aussi pauvre? Et quand on a des images comme ça, ça a un impact négatif, même dans le combat. Parce qu'on se dit, mais on est des nuls. Je pense qu'on est contre ce genre de choses. Là, c'est une affiche qui présente du coltan. Donc tout le monde sait un peu ce que c'est ce minerai, donc qui est utilisé dans l'électronique. Donc voilà, c'est quelque chose de fondamental économiquement, et ce coltan-là est quand même concentré en République démocratique du Congo. On sait aujourd'hui où en est la République démocratique du Congo. Comment un pays de 2 millions de kilomètres carrés, 70 millions d'habitants, riche, on l'appelait même un scandale géologique, soit parmi les derniers au niveau du développement humain, c'est-à-dire au niveau de l'éducation, de la santé, des routes, du logement, nous sommes derniers. On prend par exemple un pays comme la Côte d'Ivoire, d'où je viens, dont on disait que c'était le miracle ivoirien. Parce que dans les années 60-70, il y avait une politique du café-cacao qui a pas mal marché. Et on disait, voilà, la Côte d'Ivoire, c'est le miracle ivoirien. Ça montre que la coopération avec la France, avec l'Europe, avec les institutions financières internationales, c'est la voie à suivre. Aujourd'hui, on peut voir où en est la Côte d'Ivoire. On n'est pas différent de nos voisins, on est tous aussi pauvres. Tout on a des richesses, tout on a des hommes, on a des femmes qui sont éduquées, qui ont fait des études.
peut aussi parler de ce qu'on a déjà évoqué, c'est-à-dire les questions monétaires. C'est-à-dire que quand vous êtes pauvre et que vous n'avez pas les moyens même de vous enrichir, c'est-à-dire que déjà vous partez pauvre, mais en plus on vous bloque l'accès à l'élévation. Vous êtes désespéré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les pays de la zone franc, donc la Côte d'Ivoire, le Cameroun, etc., sont dans un système qu'on appelle le franc CFA et qui les empêche de se développer. Donc c'est-à-dire que leur monnaie n'est pas contrôlée par eux, et quand vous ne contrôlez pas votre monnaie, vous ne pouvez rien faire. Parce que regardez comment ça se passe ici. Dès qu'il y a un problème économique, on dit « Ah oui, mais il faut que la Banque centrale fasse quelque chose. » On avait même vu un moment Jean Sarkozy, voilà, l'ancien président français, qui était venu à la télé et qui disait « Oui, moi je vais aller voir Jean-Claude Trichet et puis lui en toucher deux mots. » Il n'a rien fait. Pourquoi? Parce que la Banque centrale est tellement puissante que vous ne pouvez pas l'influencer. Donc si vous n'avez pas de banque centrale, que votre économie ne démarre pas, vous ne pouvez pas dire « Tiens, on va faire plus de crédit à nos entrepreneurs pour créer de l'emploi. » Vous ne pouvez pas. Toutes les banques, en Côte d'Ivoire, en tout cas la majorité, ce sont des succursales de banques françaises. Donc moi, quand j'y étais, j'étais à la SGBCI, c'est la Société Générale des Banques de Côte d'Ivoire. Donc quand on est sur place, on se dit « Ah, mais c'est bien, on a des banques, tout, vous voyez le bâtiment, etc. » Et c'est quand je suis arrivé ici, je me suis dit « Mais la Société Générale et la SGBCI, en fait, c'est la même chose. » Et là, tu comprends tout de suite qu'on n'a rien. En fait, ce n'est pas qu'on n'a rien, mais c'est qu'on nous a tout pris. Voilà. Donc, je peux avancer. Donc, on l'a encore déjà évoqué, c'était juste pour appuyer dessus. Donc, c'est notre faiblesse militaire. Là, c'est une image de deux soldats qui ont trouvé la mort dans des affrontements à l'est de la République démocratique du Congo. Donc, on sait tous que la République démocratique du Congo, depuis les années 90, est le théâtre de carnage. Il y a eu deux guerres qu'on appelait même les guerres mondiales africaines, parce que l'est de la République démocratique du Congo a été envahi par ses voisins. Et aujourd'hui, cette instabilité continue. Et quand vous voyez le Congo, vous vous dites, mais c'est un État géant, c'est une puissance. Comment ça se fait qu'ils n'arrivent pas à mettre de l'ordre à l'est, chez eux? Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a à côté du Congo? Ce n'est pas la Russie, c'est la Chine. Pourtant, le Congo aujourd'hui est démuni, faible. À côté, là, ce sont des soldats de Ansar Dine. Donc, ce sont des militants, donc des groupes politico-religieux qui ont commencé à envahir le Mali. Ils ne sont pas 100 000, c'est quelques milliers. C'est ça qu'il faut qu'on se rende compte. C'est-à-dire qu'on est à des échelles même très petites, quoi. Pour vous donner une ordre d'idée, quand les Allemands ont décidé d'envahir la Russie, voici la force qu'ils ont mobilisée. 3 millions d'hommes, 3 700 000 même pour être précis, 3 000 chars, 4 000 avions, c'était dans les années 40. Nous, aujourd'hui, un petit groupuscule peut se lever, prendre 300 pick-up et il peut atteindre à Bamako, il peut arriver, il prend la radio, la télé, le cours est joué. Avec des grands boubous. Avec des grands boubous, hein, ça fait lourd. La Côte d'Ivoire, prenons le cas de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas toute l'armée française qui est venue nous attaquer. Ils ont dépêché un bataillon, quelques hélicos, et ça suffit. Est-ce que la France peut faire cela dans un autre pays qu'un pays africain? Non. La Syrie est là. La Syrie est là. Pourquoi ils n'y vont pas? Ils ne peuvent pas. Mais c'est parce qu'on est faible aujourd'hui qu'on ne peut pas se défendre. Ça, il faut qu'on le comprenne. Nous sommes aussi faibles dans le domaine culturel. Pas parce que nous n'avons pas de culture, mais parce qu'on choisit de ne pas la défendre et de l'abandonner aux autres. Donc ça, c'est une carte qui présente un peu ce qu'ils appellent les langues régionales, donc pour illustrer les langues qui comptent dans chacun des territoires. Donc vous voyez que pour la Chine, ils ont mis le chinois, bon, ils ont simplifié, hein. En Russie, c'est le russe, etc. Mais quand vous venez en Afrique, donc vous voyez que toute cette zone, ils ont mis français, bon, les autres qui sont un peu gris, on devine que c'est l'anglais, et vous vous demandez, mais est-ce qu'on est en Afrique? Ou c'est le Canada, ou je ne sais pas. Parce que tous les autres, ce sont des langues que les gens parlent. Nous, chez nous, ce sont des langues coloniales. La seule langue qui s'en sort, c'est le swahili, qui résiste un peu à l'est. Donc, c'est la situation dans laquelle on se trouve. Parfois, quand tu arrives ici,
te demande, ah, tu es ivoirien? Je lui dis, oui. Ah, donc tu parles ivoirien alors? Voilà, dans les absurdités dans lesquelles on se trouve. Et ça, c'est une politique qu'on doit mener pour changer ça. Parce que ça ne viendra pas spontanément. Un autre point qui est très important, donc on a salué à la Ligue l'adhésion de Haïti à l'Union africaine, parce que c'est une décision qu'on pense juste et nécessaire, qui était nécessaire depuis longtemps. Donc c'est quelque chose qu'on a salué. Mais il est quand même clair que les rapports entre le continent et sa diaspora ne sont pas là où ils doivent être aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a une déconnexion, on les laisse un peu se démerder. Nous aussi, on a nos propres problèmes, voilà. Donc chacun reste un peu dans sa main. On le dit comme ça, voilà, comme je l'ai entendu. Et pourtant, ce n'est pas normal. Si on prend un pays comme Haïti, qui a été la première révolte, la première révolution contre l'esclavage qui a abouti, qui a fondé la première république noire des temps modernes, Haïti qui a envoyé ses hommes et ses femmes en Afrique pour aider le continent, on devrait faire quelque chose. L'Afrique devrait être capable aujourd'hui de faire quelque chose. Il ne faut pas que ce soit des soldats de l'ONU qui aillent parader dans les rues d'Haïti. Et regardez les rues. Regardez les rues. Ce n'est pas normal. Et je prends l'exemple d'Haïti, mais c'est pareil dans toute notre diaspora. Si vous prenez nos frères américains, donc des États-Unis d'Amérique, vous allez voir que la population carcérale est composée à majorité de Nord-Américains, qui a un problème de drogue, qui sévit dans les villes où on est. Est-ce que l'Afrique peut intervenir? Est-ce que l'Afrique peut faire quelque chose? Non. La Jamaïque, personne n'en parle. Mais la Jamaïque se trouve dans un état déplorable. Est-ce que l'Afrique peut faire quelque chose aujourd'hui? Non. Un instant, s'il te plaît. Vous voyez ce soldat? Là, c'est marqué United Nations. Et là, il y a le drapeau du Brésil. Je ne sais pas si vous le voyez. Mm-hmm. Le Brésil, après le Nigeria, c'est le deuxième pays au monde où on trouve le plus de Noirs. Il y a eu une violence extrême au Brésil. Quand on vous parle des favelas, même dans les grandes villes, la violence est extrême. Posons-nous simplement cette question. Ce monsieur ne pourrait pas assurer la sécurité au Brésil? Pourquoi il va l'assurer en Haïti? Donc, je vous ai un peu présenté les choses contre lesquelles on se bat, mais comme on n'est pas des anti, on a des projets. Nous, on pense qu'on doit aller vers les États-Unis d'Afrique. Les gens nous disent, c'est un rêve. Moi, je dis, ce n'est pas un rêve, c'est un projet. Parce que la différence entre un rêve et un projet, c'est qu'un projet, vous vous asseyez, vous discutez, vous réfléchissez à comment vous allez atteindre cet objectif. Les gens vous disent, mais vous êtes 50, vous pensez que vous allez tous vous asseoir comme ça et que ça va marcher? On n'est pas obligé de commencer à 50. L'Union européenne n'a pas commencé à 50. Il n'y avait que l'Allemagne et l'Europe au début. L'Allemagne et la France au début. Et ensuite, ça s'est élargi à 6 pays, et etc. Les États-Unis ont commencé à 13 colonies. Donc, il ne faut pas qu'on se fasse intimider par des gens qui ont un faux bon sens. C'est-à-dire que vous leur montrez le projet, vous dites, nous pensons que vu l'état de faiblesse actuel de notre continent, nous pensons que nous devons nous unir pour être forts, ils vont vous dire, ah mais l'union c'est pas possible. Nous on pense que c'est eux qui sont des rêveurs. Parce qu'ils pensent que dans leurs petits états, où ils sont, ils pourront se défendre. Parce que le Mali aujourd'hui peut se défendre. Non. Voilà. Donc, ce que nous voulons, une économie puissante pour l'Afrique. Une économie forte. Parfois, on montre des cartes du commerce international. On montre des gros ronds pour montrer les puissances du monde. Donc, et dans la carte, vous verrez qu'il n'y a même pas un petit rond pour l'Afrique. Pour toute l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'ils vous disent qu'on fait moins de 1% du commerce international. Et ça, ce n'est pas normal. Parce que quand on prend un appareil électronique comme ça et que toutes les matières premières viennent de chez nous, ce n'est pas normal qu'on soit parmi les derniers économiquement.
que nos populations n'aient pas à manger. Que les gens mangent une fois par jour. Et encore. Ce n'est pas normal, alors qu'on a tout pour réussir chez nous. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit mettre en place. Et c'est quelque chose de politique, encore une fois. C'est-à-dire qu'on peut faire des actions individuelles, des petits projets, etc. Mais comme on vous l'a dit, si en Côte d'Ivoire, on est toujours dans le franc CFA, peu importe ce qu'on fait à côté, on n'avancera pas. Parce que le système est fait de telle sorte que vous soyez bloqué. Il y a des gens encore qui vous disent, mais écoutez, les Nigeria, ils ont leur propre monnaie. Ils ne sont pas beaucoup mieux. Moi, je dis oui. Mais si vous devez aller courir un sprint, et que des gens vous mettent des chaînes là au début, d'accord, peut-être que vous n'allez pas gagner le sprint. Mais là, c'est sûr que vous n'allez même pas courir. Donc nous, c'est dans cette situation qu'on est aujourd'hui. Et même les États qui ont leur monnaie, ce n'est pas pour nous, ce n'est pas pour autant qu'ils la gèrent bien. Il y a un économiste camerounais qui s'appelle Joseph Tudong Pomi qui a écrit La répression monétaire. Monnaie, servitude et liberté. Où il expliquait concrètement que même dans des pays comme le Rwanda, etc., qui avaient des monnaies qui géraient eux-mêmes, en fait, ils avaient tellement gobé ce que le FMI ou etc. racontait qu'ils se mettaient les chaînes eux-mêmes cette fois-ci. Donc c'est des choses desquelles on doit sortir. Le président l'a dit, nous voulons une armée fédérale africaine, une armée continentale. Parce qu'aujourd'hui, n'importe qui peut se lever, venir bombarder un pays africain et nous serons impuissants. N'importe lequel des pays africains. On a vu Kadhafi. Il y a des gens qui se disaient même, bon, Kadhafi, quand même, il a l'argent du pétrole, etc. Ça fait longtemps qu'il fait du bruit, il est quand même assez fort. Il n'est plus là. C'est-à-dire que nous sommes faibles. Nous avons besoin d'une armée pour défendre nos populations. Et quand on parle d'une armée, ce n'est pas juste avoir des ordres en uniforme qui paradent dans les rues, qui matraquent la population. On veut des gens qui soient là pour défendre l'Afrique. Donc c'est d'abord un esprit. Et vous ne pouvez pas avoir une armée qui défend la population si vous ne lui inculquez pas ces valeurs-là. Donc d'abord cet esprit. Et aussi, on veut que notre armée ait toutes les armes nécessaires pour défendre notre continent. On n'a peur de rien. C'est-à-dire que s'il faut avoir l'arme nucléaire, nous la voulons. Nous la voulons. Dans le domaine culturel, nous prenons l'action. C'est-à-dire qu'on est face à une agression culturelle. On est face à une agression culturelle. Quand vous prenez des pays francophones qui adhèrent à la francophonie, c'est-à-dire que concrètement, ils adhèrent à une organisation qui travaille contre leur culture. Et on a des gens comme Abdou Diouf qui voyagent partout, etc., qui racontent n'importe quoi. Mais comment vous pouvez accepter de militer dans une organisation qui prône la culture de votre colon? C'est grave. Et quand on voit la carte de l'organisation de la francophonie, si on enlève les pays africains, il restera dans le monde. Donc, sortons de ce genre de choses. Quand on parle de notre culture, quand on dit qu'il faut être actif, c'est-à-dire que nos vêtements, notre histoire, toutes ces choses-là doivent être diffusées de façon, je dirais même, industrielle. C'est-à-dire que les manuels scolaires, il faut que nous les produisions nous-mêmes. Il faut que nous ayons des productions cinématographiques sur notre histoire. Ici, les enfants, ils n'ont peut-être pas lu de livre qui parle de Jeanne d'Arc. Mais ils sont au moins allés voir un film, etc. Et ils savent qui c'est un peu, Jeanne d'Arc. Mais nous, moi j'étais en Côte d'Ivoire, je n'ai pas vu de film sur Sundiata Keita, je n'ai pas vu de film sur Samori Touré, etc. On n'en a pas. Et un dernier élément là, c'était un peu, vous aurez peut-être un peu de mal à voir, mais c'est l'Afrique de l'Est. Kenya, Ouganda, Tanzanie, Rwanda, Burundi, une partie du nord du Mozambique et une bonne partie de l'Est de la RDC. Voilà, c'est pour vous présenter en fait l'aire de diffusion du Swahili. Donc c'est une langue de l'Afrique de l'Est et qui est aussi langue de travail de l'Union africaine. Et donc je pense que c'est une proposition qui est un peu partagée à la Ligue. C'est-à-dire que on se réunit souvent, on dit qu'il faudrait une langue commune africaine. Je pense qu'il ne faut pas attendre plusieurs années pour définir quelle est cette langue. On devrait se réunir et choisir aujourd'hui sur quelle langue on veut partir.
Parce que moi j'étais à des anniversaires où on se retrouvait et puis on se demande mais on chante encore. Au final on chante en français. Voilà. Donc commençons dès aujourd'hui. Choisissons. Moi, je pense que le Swahili est un bon candidat, mais s'il se trouve que c'est une autre langue et tout, etc. Mais l'important c'est de choisir. Et tout ça, c'est une décision politique. Donc pour vous dire un peu ce que j'ai dit, je pense qu'on est tous pour une intégration forte. Pas juste des mots ou quelques petites actions de temps en temps entre le continent africain, que nous on espère, ça sera un État fédéral, ça sera les États-Unis d'Afrique, et les pays de la diaspora. C'est-à-dire qu'il faut avoir qu'il y ait des liens organiques entre Haïti, entre la Jamaïque et l'Afrique. Il faut que les étudiants haïtiens puissent venir étudier tranquillement en Afrique, sans problème. Il faut que ceux qui veulent rentrer, s'installer sur le continent, puissent le faire sans problème. Et que l'inverse aussi soit possible, etc. Mais c'est quelque chose de politique, encore une fois. C'est-à-dire qu'on peut essayer par nos petits moyens, et il faut le faire, de faire avancer les choses. Mais s'il n'y a pas une décision politique qui dit voilà, c'est là, c'est le programme qu'on applique, nous n'y arriverons pas. Donc, c'est encore une fois ce que j'essaie de marteler, c'est qu'il ne faut pas fuir la politique. Il faut être sur tous les champs d'action. C'est-à-dire qu'il faut travailler sur le culturel, travailler sur le social, travailler sur l'éducation, mais il faut aussi travailler sur le politique. Parce que ce dont on se plaint, ce sont des problèmes politiques. Quand on dit que nos langues, elles partent, mais si l'État ne défend pas vos langues, il ne les met pas à l'école, il ne les met pas dans l'administration, ben elles vont partir. Vous pouvez faire une petite école dans votre coin. Mais en face de vous, il y a 25 000 écoles qui enseignent le français, qui enseignent que nos ancêtres sont les Gaulois, vous ne pouvez rien faire. Donc vous devez absolument mettre des gens qui pensent comme vous aux commandes pour appliquer la politique que vous voulez. C'est la base. Donc nous, nous disons que notre projet, on le dit clairement, c'est un projet politique. C'est-à-dire qu'on veut changer les choses à grande échelle. On veut changer les choses à grande échelle. On veut sortir du franc CFA, on veut créer une monnaie africaine, on veut créer les États-Unis d'Afrique, on veut mettre l'éducation au centre de nos intérêts. Voilà ce qu'on veut faire. Mais pour le faire, il faut que nous soyons aux commandes, au plus petit niveau comme au plus grand. Évidemment, vous commencez par le plus petit. Donc ce que nous vous présentons aujourd'hui, donc c'est un projet d'organisation, d'organisation à but politique. Donc c'est la Ligue panafricaine Umoja. Cette Ligue, elle a vocation à avoir des sections dans chaque pays pour présenter, pour propager cette idéologie panafricaine. Parce que pour l'instant, nous sommes minoritaires, mais ce sur quoi on doit travailler, c'est que nous soyons majoritaires. Si nous sommes majoritaires, évidemment, il y aura des panafricains au gouvernement qui vont construire cette armée, qui vont construire cette économie, qui vont mettre en place les conditions pour qu'on se relève. Et c'est à nous de le faire. Personne ne viendra le faire à notre place. Donc nous voulons donc des sections dans chaque pays et que ces sections-là ne soient pas... que chacun ne dise pas en fait le contraire de ce qu'a dit l'autre. Sinon ça ne marcherait pas. Donc nous souhaitons une cohérence du haut vers le bas, du bas vers le haut. Donc nous sommes réunis au sein d'une même organisation qui s'appelle Ligue panafricaine Umoja. Si nous disons que la politique de Blaise Compaoré est négative pour les Burkinabés, il n'y aura pas un de nos militants qui ira en Afrique du Sud dire qu'en fait Blaise Compaoré c'est le petit-fils de Founiata Keïta. On ne le dira pas. Donc, pour vous présenter très simplement notre organisation au niveau schématique, bon, on a essayé de concentrer au maximum. Nous sommes une organisation démocratique. Donc, ici, je pense qu'on doit un peu le confirmer, il n'y a pas de gourou qui décide, bon, on doit faire ça et tout le monde suit. Chacun participe au débat et les décisions qui ont été prises à majorité sont adoptées. Donc, on est une instance qui s'appelle l'Assemblée Générale où tout le monde est et tout le monde peut participer. L'Assemblée Générale est liée à un conseil d'administration
qu'il y ait ensuite un bureau exécutif qui va gérer les affaires au quotidien. En parallèle de ça, donc, nous avons des sections dans chaque pays qui seront réunies au sein d'un congrès. Donc on a déjà une section territoriale qui existe, donc c'est la Ligue panafricaine du Congo, et nous avons vocation à créer des sections, à les développer dans chaque pays du continent. Donc évidemment, entre toutes ces instances-là, il y a des contacts. Pas parce qu'il n'y a pas de flèche que personne ne se parle, etc. Évidemment. Mais comme il y a un dicton qui dit que la carte n'est pas le territoire, donc c'est que l'organigramme, ce n'est pas l'organisation. L'organisation, c'est vous, c'est nous, c'est chaque individu qui contribue régulièrement, en fait, au travail quotidien. Donc l'organisation, c'est nous, c'est vous. On a besoin de vous pour avancer, pour se structurer et pour mener les combats qui sont absolument fondamentaux. C'est-à-dire que si on ne s'y met pas, peut-être que dans 50 ans, l'opportunité sera passée. Parce que ce qu'on dit, en vérité, il n'y a rien de nouveau. Voilà, il n'y a rien de nouveau. Ce sont des choses qui ont été dites dès les années 60. Cheikh Anta Diop avait publié un livre qui s'appelle « Les fondements économiques et culturels d'un État fédéral d'Afrique noire ». Et il disait ceci dans ce livre, que si on ne prenait pas ce qu'il disait en compte, les États de l'époque allaient saucifier, c'est-à-dire que ça allait devenir solide, que les gens allaient commencer même à penser que ce sont leurs États, quoi. Voilà, qui sont des Camerounais, des Ivoiriens, etc. Et on le voit aujourd'hui que c'est vrai. Donc, il faut qu'on agisse, ça devient urgent. On a encore l'opportunité de s'en sortir. Les Indiens d'Amérique, on ne peut pas dire autant. Donc il faudrait qu'on en prenne conscience.